Premier mois de cette nouvelle année qui est souvent sous le signe de la reprise en douceur, notre thème du mois d'ailleurs, et on commence avec une salade composée au thon. Légère, colorée, protéinée, on peut la manger avec de la laitue tout simplement ou dans un wrap. La recette est très simple, on va couper nos légumes en petits morceaux, en dés, et on dépose tout ça dans un saladier. Je vous mets la liste des ingrédients dans la description, mais vous pouvez retrouver le tout, dont la fiche nutrition, sur le blog. D'ailleurs, saviez-vous que le poivron était un légume très riche en vitamine C, même cuit? Riche en minéraux et en oligo-éléments, il est aussi composé à 90% d'eau, donc pas du tout calorique. C'est un bon aliment pour aider à rassasier durablement et stimuler la digestion. Un super allié santé et minceur entre guillemets. Continuons avec notre recette, on ajoute ensuite le maïs, le thon, le fromage blanc, le jus de citron et le poivre avant de mélanger le tout. D'ailleurs ici je n'ai pas pris de thon à l'huile pour éviter d'ajouter des calories. On peut ensuite ajouter une cuillère à café de moutarde pour apporter du peps. On mélange le tout, on ajoute les morceaux d'avocat et les épinards et voilà. À manger avec de la laitue qu'on peut utiliser comme une feuille de riz pour enrouler notre salade composée. Ou pour plus de consistance, on peut garnir une tortilla ou un wrap de ce mélange coloré. Il y a d'ailleurs une recette de tortilla sur le site si on souhaite faire sa maison. Et voilà les gourmands. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre en commentaire des recettes que vous aimeriez voir sur le blog et sur les différents réseaux. Et à m'envoyer ou m'identifier sur vos réalisations pour les partager à la communauté. Mastou, mano !